Salut à tous, ici Kevin Hernet, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je voulais faire une vidéo, donc vide colis abonné numéro 4. Donc là ça sera un échange que je vais faire, donc avec l'ami Christophe. Donc je vous ai déjà parlé de ce monsieur qui est très gentil. Et du coup je vous ai déjà parlé de sa chaîne, donc vous pouvez aller voir dans ma vidéo précédente. Vous pouvez aller voir, je parle de sa chaîne et tout ça. Donc vous pourrez même aller vous abonner pour le soutenir et puis pour voir ses vidéos, elles sont vraiment sympas. En plus je trouve qu'il a une très bonne prononciation. Il m'a dit qu'il commençait sur YouTube, mais je trouve qu'il se débrouille vraiment très bien. Et ça c'est un très bon point. Et je trouve aussi c'est sympathique de voir un père et son fils partager la passion du jeu vidéo. C'est vrai qu'on voit pas tant que ça sur YouTube, il y en a quand même, mais on voit pas tant que ça de passionnés de jeux vidéo en tant que père et fils. On voit souvent des couples ou même des collectionneurs normaux, filles, hommes séparément, mais on voit pas beaucoup de... Ou alors c'est que j'ai mal cherché, mais on voit pas beaucoup de pères de famille ou de mères de famille et présenter leur collection de jeux et tout ça avec leurs enfants. Donc ça je trouve ça vraiment sympathique et ça change. Donc c'est vraiment cool, donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Je remettrai je pense les liens dans la description. Et donc on va commencer tout de suite. Donc je vais vous montrer. C'est un jeu PS3 qui m'a échangé. Moi je vais lui envoyer un jeu de la première Xbox. C'est un jeu, je sais déjà c'est quoi. Moi je vais pas vous le dire tout de suite parce que je vais vous le montrer, ça sera mieux. Comme ça, ça vous laisse un peu la surprise. Et du coup moi je vais lui envoyer, donc je vais vous montrer ça d'abord. The Thing, un survival horror sur la première Xbox. Donc j'ai pas fait beaucoup dans ce jeu, mais je sais qu'il est bien. Et moi je pourrais le retrouver assez facilement, je le trouve plein de fois de mon côté. Donc je sais que je vais pas galérer à le retrouver. Mais du coup je lui offre, parce que comme ça, je lui échange. Parce que comme ça du coup ça lui fait, je sais pas s'il a déjà joué, mais au moins ça lui fait un jeu à découvrir s'il a jamais joué. Après il pourra, c'est pas sûr qu'il aime, c'est pas sûr, mais au moins ça pourra le faire, il pourra voir justement, et ça lui fera un jeu en plus pour sa collection. Donc et lui c'était un jeu qui m'a dit qu'il avait en double. Donc je crois que c'est ça, tu me rediras si je me trompe, mais il me semble que c'est ça. Donc on va essayer de pas trop perdre de temps à ouvrir ça, parce que du coup il y a plein de Chatterton, donc ça va être un peu chiant à ouvrir, mais c'est pas grave. Je vais essayer d'ouvrir ça. J'ai pas de ciseaux, bon c'est pas grave. Je vais essayer d'ouvrir ça sans perdre trop de temps. J'espère que j'ai pas. Ça va être un peu chiant là. Ça commence à... Là, ça commence à... Tant pis, on va y aller un peu à la bourre. Bon, en tout cas, vous pourrez aller voir sa chaîne. Franchement, elle est vraiment sympathique et je vous la recommande. Donc voilà. Et là, ça me fait penser qu'il faut que je trouve les Condemned sur 360 pour CPPL et que je l'envoie. Et il faut également que j'envoie le Enclave sur la première Xbox pour l'ami Bungie. Donc voilà. Et que je trouve le Silent Hill HD Collection sur la 360 parce qu'il est intéressé. Bon, il a dit qu'il voulait se le prendre, mais il trouve pas apparemment de son côté. Donc du coup, je vais essayer de le prendre parce qu'il m'a fait pas mal de cadeaux. Donc du coup, c'est pour ça que je vais essayer de lui trouver. Donc, ah mince, c'est vraiment bien accroché. Hein. Bon voilà, ça devrait faire. Normalement ça passe. Ouais. C'est un peu chiant. Désolé hein, pour... je perds du temps à faire ça. Je vois que il y a du... Bon. C'est pas grave, on va laisser ça comme ça. Voilà. Donc, je viens de voir qu'il y avait du papier bulle. Donc alors du coup... je sais plus si je vous ai montré le jeu Xbox. Si c'est bon, je vous l'ai montré. Il y a une petite lettre, donc je vais vous la lire. Donc salut Kevin, un petit mot pour te remercier. J'espère que tu vas faire encore plein de vidéos.
À très bientôt sur le net. Bon jeu, Christophe. Eh ben, merci. Ça fait plaisir. Donc, encore une petite lettre. Pas de la même personne, mais je veux dire que du coup, je garde les lettres de chaque personne qui m'ont écrit. Donc, que ce soit. Donc, en fait, c'est des amis youtubeurs ou pas youtubeurs qui m'ont écrit. Et ça fait plaisir. Donc là, j'ai par exemple Adrien, donc HHH. J'ai toujours sa lettre avec d'ailleurs, je vais vous montrer parce qu'elle était assez originale. Il avait mis il avait découpé ça dans un journal, je pense, et il avait mis ça. Enfin, c'était assez sympathique. Une manette, il y avait celui de God of War, je crois, c'est Kratos, je crois. Il y a Altaïr d'Assassin's Creed, et puis Mario et Yoshi, truc tennis, enfin voilà. Donc c'était assez sympathique. Ensuite, bah du coup, j'ai la lettre de Christophe, j'ai la lettre de Seb Pépette, enfin la petite carte postale des Simpsons qui était sympathique, donc voilà, que je garde aussi. Ça c'était Thomas Ward, que je garde aussi. Ça il me semble que c'est Benji aussi. Ouais, Benji aussi. Il m'avait envoyé aussi. Que je garde aussi. Et ça, c'était les deux là de Memiaou et Saran. Donc voilà. Et ensuite, ça c'était encore Benji aussi. Donc voilà. Du coup, bah ça me fait 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ah, ça fait 8. Donc je suis assez content parce que ça fait plaisir qu'on m'écrive. Ça fait plaisir de recevoir ça. Voilà. Donc je garderai ça dans ma collection à vie. Voilà. Ça, c'est des trucs valeurs sentimentales, hein, des amis. Voilà. Donc ça fait plaisir. Donc je garderai vos lettres, bien évidemment. Je les mets à côté de mes jeux. Donc du coup, je vais vous montrer le jeu qu'il m'a envoyé. Donc il s'agit de... il est là comme ça, dans le papier bulle. Donc je vais vous montrer le jeu. Il s'agit de Assassin's Creed Révélation sur PS3. Donc il m'a dit qu'il l'avait en double. Du coup, moi je l'avais pas sur PS3. Je l'ai sur 360. Parce que d'ailleurs, j'ai posé presque tous. Il m'en manque juste un sur 360. C'est le Assassin's Creed Rogue. Donc l'extension du 4 en fait. Mais il me manque aussi le Assassin's Creed Libération, mais ça c'est un DLC en dématériel sur 360 que j'ai pas, c'est l'extension du 3, mais bon, le Rogue il me manque, et ça c'est un jeu du coup que j'ai sur PS3 grâce à Christophe, donc ça fait plaisir. En plus j'ai le Brotherhood, j'ai plus le 2 malheureusement, mais c'est pas grave, je pourrais le reprendre, ça vaut plus rien Assassin's Creed, et donc du coup ça fait plaisir, donc merci à toi. Je t'envoie le jeu soit cette semaine ou début mai, donc voilà. Après je t'en avais parlé un peu sur Facebook, j'ai lu les raisons aussi, pareil. J'espère que ça te dérange pas, au pire tu me diras, et donc voilà. Donc ce sera tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Aujourd'hui j'ai pas dit grand chose dans la vidéo, c'est vrai, parce que du coup voilà, ce que je voulais dire, je voulais dire un truc aussi par rapport aux haters. Que du coup c'est un peu je sais pas pourquoi, ça me fait bizarre de reprendre un peu les vidéos comme ça, parce que ça fait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo, enfin j'ai fait, mais je veux dire, c'est, je prends plus le temps de faire des vidéos comme à une période où j'en faisais 2 ou 3 par semaine. C'est vrai que là en ce moment je suis plus trop sur les vidéos, mais je vais en refaire, hein, j'abandonne pas YouTube, attention. Ce que je voulais dire, c'est que du coup, en fait, par rapport aux haters, j'ai remarqué un truc avec Benji. On a remarqué un truc, en fait, c'est que les vues ne suivent pas les dislikes. Donc par exemple, sur ma dernière vidéo, j'ai 482 dislikes pour 100 ou presque 200 vues. Enfin, 100 et quelques vues, 150 ou 170 vues, je sais plus combien. Bref, ça suit pas. Donc on a remarqué qu'en fait, c'est un ou plusieurs comptes qui font exprès de faire un bug YouTube pour mettre plusieurs de dislikes, mais que les vues ne suivent pas. Donc voilà. Bon, après moi je m'en fous complètement. Moi honnêtement, si j'ai des haters, ça veut dire au moins je fais des jaloux. Si ça leur fait du bien de disliker mes vidéos, qu'ils fassent, hein. Moi je m'en fous complètement. Moi je vais continuer ma passion, c'est-à-dire le jeu vidéo, partager avec vous. Moi ce que j'adore, c'est
moi c'est les jeux, c'est pas la prise de tête, donc du coup je m'en fous complètement. Même s'il y en a, ça leur fait plaisir de venir se venger sur ma chaîne parce que elle est pas très connue, parce que voilà, c'est facile à détruire une chaîne petite. Et ben je m'en tamponne les amygdales. Bref, donc du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour la prochaine vidéo, je sais pas trop encore ce que je vais faire, j'espère que je vais trouver une idée. J'hésite entre deux vidéos, soit les jeux que je joue du moment, ou soit un coup de cœur, coup de gueule, donc des jeux que j'ai aimé, pas aimé, donc ça peut être soit plusieurs plateformes, donc ça peut être de la 360, de la PS3, de la première Xbox, de la Xbox One, ou alors ça peut être les jeux que j'ai joué en ce moment. Sinon, si vous avez d'autres idées de vidéos, dites-moi dans les commentaires. Je veux tout savoir dans les commentaires, ça me permet de savoir, donc ça ferait plaisir. Et donc du coup, ben voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à mettre le pouce bleu pour me soutenir si vous avez envie, à vous abonner à la chaîne si vous aimez, et voilà, après vous connaissez la suite, à partager, voilà, bon, bref, je vais pas répéter. Du coup on se retrouve pour une prochaine vidéo et je vous dis à la prochaine, salut à tous.